Bonjour à tous! Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer quelque chose d'un peu différent et de vous démontrer mes super pouvoirs. Le temps de trouver une cabine téléphonique, pas évident de nos jours. Et me voici transformé en Madman! J'ai besoin d'un volontaire. Qui? Je sais, je vais appeler une volontaire désignée. Bonjour jeune terrienne, tu viens d'être sélectionnée pour une expérience inoubliable. Papa, tout va bien? Pourquoi tu t'es déguisée? Zut, elle m'a reconnue. Tu serais d'accord d'être volontaire pour une expérience? Pas vraiment papa, là je suis un peu occupée et Oh cool! Je savais que tu dirais oui! Regarde bien Camille, j'ai créé une horloge un peu particulière avec les nombres de 1 à 13. Tu les vois? Oui, mais pourquoi 13? Tellement de raisons. 13 est le cinquième nombre chanceux, le sixième nombre premier, le septième nombre de Fibonacci, le... Ça va, papa, ça va. Oublie ma question. Choisis un nombre. Celui que tu veux, mais tu ne me dis rien. Bien entendu, vous pouvez aussi tenter l'expérience. C'est fait, Camille? Oui, oui. Moi, je vais me cacher les yeux avec mon masque de loup préféré. Et toi, tu vas montrer ton ombre aux spectateurs. Car tu passes à la télé, Camille. Enfin, tu passes dans le tube. Papa, t'aurais pu me prévenir. Allez, montre-leur ton ombre. J'ai choisi le nombre 11. Maintenant, Camille, tu vas épeler mentalement le nombre que tu as choisi et tu vas avancer sur l'horloge d'une case par lettre. C'est clair? Très clair, papa. 11... O-N-Z-E. Ok, c'est fait. Bon, là, maintenant, tu es sur un nombre. Évidemment, je ne sais pas lequel, puisque tu avais plein de choix possibles. Ce nombre, tu vas de nouveau l'épeler et avancer lettre par lettre. Attends, je me concentre. 4, Q, U, A, T, R, E. Voilà, c'est fait. Très bien. Bon, j'espère que tu sais écrire sans faute, au moins. Papa! Allez, on continue. Tu épelles de nouveau ton nom. 10, D, I, X. Bon, je n'ai aucune idée sur quel nombre tu as atterri. Mais grâce à mes grands pouvoirs, je vais essayer de découvrir ça dans ton regard. Je vais énoncer tous les nombres de 1 à 13 et je vais te regarder dans les yeux. Surtout, ne manifeste aucun signe au moment où je prononcerai ton nombre. Prête? Approche-toi un peu que je vois bien tes yeux. Papa, tu me fais peur! Allez, concentre-toi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13! Oh! Je crois que j'ai trouvé! Je suis certain que tu n'es pas sur le 6. Juste? Exact! Ni sur le 10, ni sur le 4. Pas mal! Et je crois pouvoir dire aussi que... tu n'es pas sur le 11. Et je suis où alors? Ben là, justement, j'hésite. Tu vas refaire un dernier tour à partir de ton nombre. D'accord. Attends, j'ajoute un défi supplémentaire. Cette fois, tu tournes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Bon, tu me laisses me concentrer s'il te plaît? Donc 13. T, R, E, I, Z, E. Tu es sur le nombre... Oui, oui, c'est dingue ça! Madman! J'ai observé un léger dilatement de ta pupille et même à distance, j'ai senti ton cœur s'emballer. Donc, Camille, je te préviens, ne mens jamais à papa. Je saurai toujours si tu me dis la vérité. Maman, maman! Papa, il est rentré dans ma tête! J'adore ma Camille. Elle est encore à un âge où elle peut tout croire. Quoi, sérieusement? Vous pensez quand même pas que j'ai lu dans ses pensées? Si! Le truc de tous les mentalistes avec la pupille dilatée au moment où on prononce la lettre et tout ça? Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas moyen de déceler la vérité grâce à des micro-expressions.
L'ouvrage de Paul Ekman est d'ailleurs une référence en la matière. Mais moi, j'en suis totalement incapable. En revanche, je sais comment avoir des pouvoirs prédictifs grâce aux mathématiques. Dans quelques minutes, vous allez pouvoir faire et refaire ce tour. Un tour inventé par le mathématicien et physicien américain Martin Kruskal et décrypté par un autre Martin, le maître des jeux mathématiques, Martin Gardner, mon idole! En fait, ce tour s'appuie sur ce qu'on appelle aujourd'hui les chaînes de Kruskal. Dans ce tour, les chaînes sont les étapes successives sur lesquelles ma fille Camille a atterri. En choisissant le nombre 11, elle a atterri sur la case 4, puis 10 et puis 13. Ces cases, ce sont les maillons de la chaîne. Évidemment, si Camille avait choisi un autre nombre de départ, par exemple 3, cela aurait créé une autre chaîne. Elle aurait atterri sur 5, 9 et puis 13. Vous voyez, la chaîne est différente, mais Martin Kruskal a découvert que, de façon générale, les chaînes finissent toujours par se rejoindre. Ce qui permet de prédire un résultat qui semble pourtant hautement improbable. Même David Copperfield, le célèbre magicien, a utilisé cet effet dans de nombreuses variations. C'est dingue, hein? Regardez, j'ai dressé le tableau de toutes les possibilités de départ, mais j'ai regroupé ces possibilités en fonction du nombre de lettres des mots. Déjà un premier leurre, car je voulais supposer que toutes les possibilités sont différentes. Mais en réalité, vous n'avez pas 13 choix de départ, mais seulement 5. Puisque tous les nombres de 1 à 13 contiennent entre 2 et 6 lettres. Et ensuite, vous pouvez constater qu'à l'étape d'après, les chaînes 3 et 4 se rejoignent déjà. Et à l'étape suivante, ce sont les chaînes 4 et 5 qui se sont rejointes. Et bien sûr, dès que deux chaînes se rejoignent, elles ne se quittent plus. Après seulement 3 épellations, je sais pertinemment que vous êtes sur la case 9, 12 ou 13. Pas d'autres possibilités? À moins d'une erreur de votre volontaire, évidemment, hein. Choisissez le bien. Évitez une fin de soirée arrosée avec tonton Maurice et fait griller. Après, j'ai introduit ma griffe dans ce tour de mathémagie avec le changement dans l'autre sens. Évidemment, ça ne change en rien la difficulté, mais je l'ai dit et vous le croyez. La plupart des mentalistes usent et abusent de ce genre de phrases qui vous font percevoir une réalité parallèle. Mais au contraire, ces changements de direction m'arrangent bien, car les cases 9, 12, 13 ont toutes une seule lettre de différence. 9, 12, 13. Si vous tournez dans l'autre sens, puisque j'ai supprimé les cases 10 et 11, vous finirez par atterrir sur la case 3, obligatoirement. Et pourquoi avoir supprimé aussi les cases 4 et 6? Ça, c'était juste pour vous enfumer un peu. Enfin, non. Ça me permet aussi de refaire le tour à une même personne et cette fois d'atterrir sur la case 4, par exemple. Si je supprime les cases 8 et 3. Bah oui, pour un bon tour de bluff, l'emballage, c'est important. Si vous voulez mesurer la puissance des chaînes de Kruskal, prenez un simple jeu de cartes. Mélangez-les et étalez-les une à une. Disons que chaque carte possède sa propre valeur numérique et que toutes les figures valent 5. Choisissez maintenant une carte parmi les 10 premières, n'importe laquelle, et avancez de son nombre jusqu'au moment où vous êtes bloqué. Ainsi, si vous choisissez la carte 3, vous allez alors avancer de 1, 2, 3, puis de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis de 4, 1, 2, 3, 4. N'oubliez pas, quand vous tombez sur une figure, vous avancez de 5. Si à la fin, vous arrivez sur cette carte, vous voyez bien que vous ne savez pas faire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on dira que votre dernière carte est le 8 de trèfle. Allez-y, choisissez une carte parmi les 10 premières et faites pause le temps de déterminer sur quelle carte finale vous aboutissez. Je parierais que vous êtes... Maintenant, il est pas signé. Marque ce but sur une première frappe de Nainggolan. La première frappe était signée à Rajan Nainggolan. Bluffant, hein? Mais je vais vous faire une confidence. Que vous partiez de n'importe laquelle des 10 premières cartes, vous finirez toujours sur la même carte. Car au fur et à mesure du parcours, les différentes chaînes vont se rejoindre et ne plus jamais
se quitter. Enfin, presque toujours, car pour cela, il faut que la chaîne soit suffisamment grande. Avec un jeu de 52 cartes, ça marche déjà dans 85% des cas. C'est déjà pas mal, hein? Mais avec deux jeux, ça marche dans 95% des cas. Effet wow garanti. Faites le tour à vos proches, ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, évidemment. Et dites-moi dans les commentaires comment ils ont réagi. Ensuite, vous leur dites évidemment de s'abonner. Car vous, vous êtes déjà abonnés, hein? N'est-ce pas? Attention, je sais voir quand on ment. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous mets dans le descriptif de la vidéo un excellent article de James Grime, un vulgarisateur britannique que j'adore. C'est passionnant, mais c'est vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin. Je vous aurais prévenu. Quant à moi, je vous souhaite quelques heures à l'avance un excellent week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel effet wow! Des bises!